Salut tout le monde, c'est Sam Peggy, bienvenue dans Splatoon 2. Aujourd'hui, nous allons faire des matchs classiques et des matchs pro, mais on va faire des parties un peu plus longues parce que puisque j'ai atteint les 100 abonnés, ma première vidéo pour les 100 abonnés a été Luigi Mansion 3. Mais je me suis dit pour la prochaine vidéo de Splatoon, je vais la faire un peu plus longtemps. Là, nous avons les cartes du jour pour les matchs, mais pour le mode guerre des territoires, on a Chantier Naval, Narval et Manta Maria. Et on a le mode Mission Basgar pour aujourd'hui, on va faire changement au lieu de faire du défense de zone. Nous avons Tour Jirel et Allée Salée. Mais dans la défense de zone, malheureusement, et dans des matchs de ligue avec le supermarché Cetacé et Lagune aux Gobies. Mais pour aujourd'hui, c'est pas grave, on va jouer en solo et on va commencer par des matchs classiques. On va faire des gardes de territoire pour commencer. Bon, vous aurez pu remarquer, pardon, que j'ai changé de tenue aujourd'hui. Que j'ai mis la tenue de Coralie. C'est parce que j'ai vidé les emplacements pour au moins avoir plus de vitesse, comme vous pouvez le remarquer en haut à gauche, à côté du décompte. Il me reste 16 matchs à faire avant que la boisson que mon Nunctaling a pris ne refuse. Fait que c'est au moins faudrait que j'ai plus de vitesse, c'est ça que je voudrais le plus pour cet équipement-là, parce que ça vient quand même de l'amiibo de Coralie, qui est l'une de mes amiibo préférées en partie. Bon, nous allons commencer avec Manta Maria, l'une des bonnes maps qui est sortie sur Splatoon 2, qui est aussi une nouvelle map qui n'avait pas sur Splatoon 1. Pour moi, depuis la sortie de Luigi Mansion, je crois que ça fait à peu près une semaine et un jour, je n'ai pas touché à Splatoon 2, pour ça fait quand même un jour, une semaine, je n'ai pas rejoué. Ça fait quand même bizarre de revenir sur le jeu, mais ça fait pas bizarre, mais disons, je sais pas si j'ai perdu ma force, même si je suis niveau 90, ça se peut que j'ai perdu toute ma force la dernière fois que j'ai joué à Splatoon 2, mais j'arrêtais pas de perdre. Et pourtant, j'étais le meilleur de l'équipe. Fait que ça se peut que je perds beaucoup sur cette partie. On dirait que j'ai plus le réflexe comme avant de regarder quand il y a quelqu'un qui me tire en disant oh, il y en a un qui me tire. Bon, au moins, je me suis sauvé. Je sais pas comment... peut-être pour esquiver ce fameux pinceau. Bon, au moins, je suis rendu dans l'équipe adverse. C'est le côté le plus facile dans sur cette map. Si l'équipe est vraiment forte, c'est pas si facile que ça. Ah, j'avais ma chromosphère en plus, ça. Ah, c'est niaisement parce qu'il rit de moi, c'est sûr. En plus, j'étais tellement bien parti. Regardez, il faut se calmer. Pas toujours l'avoir dans ce jeu. Deux fois. Bonjour. Ok, j'ai pas eu le temps de monter où que je voulais aller. Mais au moins, j'ai ancré un peu plus à l'endroit. Bon, ça paraît pas du côté droit que j'ai beaucoup ancré, là. Mais au moins, ah, enfin une victoire. Pour commencer la vidéo, enfin, d'habitude, je commence toujours avec une défaite.
Ah, en plus, 2121 points. Je suis souvent le premier, des fois, non. Mais en vidéo, ça fait toujours plaisir. Nous allons continuer parce qu'avec le push-push premium, on est vraiment hot. Et. Bon, ouais, n'hésitez pas à rentrer dans la game là parce que là, faut au moins se rendre au niveau 99. Pour moi, se rendre au niveau 1 étoile. Mais pour dans cette vidéo-là, mais on l'atteindra pas. Faudrait comme jouer plusieurs jours. Faudrait que je fasse un direct pour atteindre le niveau étoile. Et en plus que pour le moment, mais il y a de l'école. Peut-être même que je l'ai publié cette vidéo-là un peu plus loin que la journée même que j'ai tourné. Fait que je sais pas si on serait Noël. C'est quand même on est la journée que j'ai tourné ça. On est si je me trompe pas, on est le 8 novembre, le vendredi 8 novembre si je me trompe pas. Même la vidéo de Super Smash Bros avec Terry, cette fameuse musique qu'on avait lors de notre première game, c'était la meilleure que celle-là encore. Deux chromosphères dans l'équipe et un sniper dans l'équipe adverse. Ouais, en parlant de snipe, je me disais penser au manga de Splatoon 2. Il donne des trucs aussi dans les livres. N'hésitez pas à aller lire les mangas parce que là en ce moment où que j'habite moi, il y a des 6 de sortie et j'ai les 6. Le cinquième qui donnait un petit porte-clé. Oh, trop beau. Oh, je crois pas. J'ai déconcentré qu'il y a quelqu'un qui l'a éclaboussé. Parce que lui. Il y a un visou, c'est pour ça que là quand on a un sniper visou, on vise juste une cible, fait que l'alentour de l'écran mais on ne voit plus à cause que on voit juste une personne, fait qu'on peut m'éclabousser facilement, mais l'équipe peut se faire éclabousser aussi facilement. C'est ça le désavantage d'avoir un sniper. C'est pour ça que moi je préfère plus les snipers qui n'ont pas de visou. Je veux pas y a quelqu'un qui est caché à une autre place. Quand j'essaie de sauter une place, j'arrive pas. Mais c'est Splatoon, on aime pareil ce jeu. Terminé et une deuxième victoire en 9 minutes. Quand même, c'est des parties assez longues, juste 3 minutes, parce que je pense que si ce serait des games de 10 minutes, de 3-4, mais 4-5 minutes en match classique, ce serait long. Déjà 3 minutes, c'est déjà assez. C'est pas comme des matchs pro que c'est autant difficile que ça. Donc, c'est quand même intéressant. Ah, il y en a 2 vitesses pour l'instant. Ce qui donne l'envie de rejouer. Il n'y a pas juste ça qui donne l'envie de rejouer. Il y a aussi
L'envie d'être avec des bonnes personnes qui jouent à un jeu. Bon, mais aussi, il y a d'autres jeux qui sont vraiment beaux, comme Super Smash Bros. C'est un très bon jeu. Luigi Mansion, c'est disons, comme tous les jeux qui se jouent en ligne, à part Fortnite, parce que Fortnite, quand même, j'aime ce jeu. Mais c'est pas un jeu que je jouerai tous les jours, pour vrai. C'est pas comme Splatoon et Luigi Mansion, ou peut-être les vrais jeux de la Nintendo, ça donne l'envie d'y rejouer. Il y a pas longtemps, mais j'ai recommencé à rejouer à Mario Party 8. Sur ma Nintendo Wii U, parce que ma Wii, je pense qu'elle est plus capable de lire des jeux. Là, quand j'ai rejoué, j'avais l'envie de rejouer encore, mais j'avais déjà passé tous les mini-jeux, fait que je les ai toutes connus, les mini-jeux. Il y avait peut-être ce côté-là que j'avais moins envie de rejouer, mais sinon, il y avait Mario Kart sur la Wii qui était le meilleur Mario Kart, qui me donne toujours l'envie de rejouer. Sinon, vous. Quel est votre meilleur jeu vidéo préféré? Même si vous jouez pas à des jeux vidéo, vous pouvez me dire lequel vous aimez. Que j'essaie de mettre ma chromosphère, mais je le manque. Bon, ça va être ma dernière partie dans le match classique. Et après, on va aller faire un peu de mission Belgique 4 pour au moins s'avancer. Pour au moins s'avancer le niveau. Énervant. Le monde du snipe là, le joueur est vraiment bon, mais moi je suis pas bon au snipe. Aïe aïe. On va la voir. Et aussi quand je parlais de manga tantôt aussi, j'ai lu les 6 mangas et j'avais l'intention d'être dans le jeu et je me prenais tellement dans les mangas et c'était tellement drôle là. Manga de Splatoon, l'élite 3, c'était la première fois que je me croyais dans un livre comme tu lis, il se passe de quoi, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer encore. C'est la première fois que je me suis senti comme ça d'habitude quand j'ai un livre dans ma bulle et seulement dans ma bulle et des fois je comprends pas le sens, mais des livres qui me font rire, c'est vraiment fun. Et je suis impatient d'attendre le manga numéro 7 aussi. Je suis tellement impatient là aussi. Bon, on a une autre victoire, ça fait 3 victoires je pense dans les matchs classiques. Maintenant on va aller jouer, on va faire des matchs pro, ça se peut qu'on va perdre plusieurs fois aussi. C'est pas grave, au moins c'est pour ramasser notre niveau, au moins on a remis l'ambiance de Splatoon dans les matchs classiques. Maintenant, puisque je sais comment rejouer à ce magnifique jeu, allons faire des matchs un peu plus forts. André, je lui dis vite, un peu plus fort. Bon. On va commencer avec cette arme, le double nettoyeur dans la mission Bazooka. Ça dure au moins 5 minutes. La game, si ça va bien, si j'ai une très bonne équipe, mais ça va très bien avancer. Il y a juste dans le défense de zone que je suis rendu dans le S. Malheureusement, j'aurais aimé être dans les autres, à part plus de palourdes, parce que plus de palourdes, c'est vraiment un niveau très difficile. Et quand j'y joue, mais des fois, j'arrive pas trop à maîtriser le jeu. Quand t'as le ballon, je trouve ça un peu trop plate. Dans le gros ballon de football. Je trouve ça plate quand il l'a parce que c'est fun quand il l'a au moins pour aller le mettre dans le panier de l'autre, de l'adversaire, mais c'est quand même
très difficile à maîtriser, à maîtriser ça quand tu t'affrontes des adversaires. Oh yeah, tour Jirel. Jirel qui a beaucoup de savoir pour qui sont depuis Splatoon 1, mais il était dans ce jeu-là. Yeah, Splatoon 1, mais qui ramène des meilleurs... des meilleures maps. Bon. Faut s'y attendre que c'est très difficile de même aussi, hein, quand... C'est pour ça que ça s'appelle un match pro, s'il y a juste des pros qui veulent y aller, comme moi je suis un vrai pro. Les matchs de ligue, mais c'est des personnes un peu plus élevées, je pense. Mais pas moi. Je suis pas une personne très élevée... Je suis pas une personne très élevée dans Splatoon, même si je suis quand même assez bon. Mais je ne suis pas le meilleur. Pas le meilleur joueur, il y en a des qui sont meilleurs que moi. Il y en a qui peuvent me battre quand même vraiment trop facilement. Et moi, ben, je peux vous battre aussi facilement, mais ça dépend contre qui aussi. On peut pas être meilleur que les autres. Quand je joue avec mon frère, ben, il est capable de me battre, hein, pour être. Pour dire la vérité, là. Je peux pas, mais ben, puisque je connais plus Platoon que lui, mais ben, évidemment. Qui est meilleur que moi. Ben non, moi je suis meilleur que mon frère. Il est pas meilleur que moi. Je suis meilleur que lui, mais il est capable de me battre. Mais dans Super Smash Bros Ultimate, je pense qu'il est meilleur que moi. C'est quand j'ai joué durant un voyage, pour aller voir mes grands-parents. Ben il m'a battu plusieurs fois dans Smash, mais dans Splatoon, ben il y a peut-être quelques fois je l'ai battu, mais dans Splatoon, ben, c'est moi. Il battait facilement. Et peut-être là, quelques fois, il me battait. Mais quand même, on a toute notre puissance dans chaque jeu. Moi, ça a donné que ça a été Splatoon et lui, Super Smash Bros. Fait que ça se peut que si on veut dire qu'il reçoit Luigi Mansion 3, mais il serait peut-être meilleur que moi pour trouver les gemmes. Parce que sur chaque étage, il y en a comme 4, 5, 6 ou même 7 à trouver, je pense. Et moi, mais juste pour le prévenir que dans Super Smash Bros, je suis rendu loin. Dans Super Smash Bros, dans Luigi Mansion, je suis rendu loin. Mais pour vous, mais je suis pas rendu loin. Fait qu'en prochaine vidéo de Luigi Mansion, qui est peut-être déjà sortie avant cette vidéo-là, ou peut-être après, on va essayer de s'avancer. Que je le dis peut-être en avance, peut-être en retard, ça dépend quand que j'ai sorti mes prochaines vidéos de Luigi. Au moins, ils ont un bon truc pour venir de notre côté pour vrai. Et lui qui va être parti s'il bouge pas. Hein. Malheureusement, il est sûrement parti aux toilettes. Je vais pas manger, je sais pas. Je pense qu'on a entendu. Il y a qui avait un rouleau, j'avais complètement oublié. Bon, l'équipe adverse est quand même rendue assez loin. Faut quand même les battre. Je peux pas tout le temps perdre. Oh.
Bon, à cause qu'il n'y a plus de mise à jour dans Splatoon, j'imagine qu'on peut affronter des Chinois, des Japonais, puis tout. D'habitude, je pouvais jouer avec des personnes de mon. L'Amérique, comme Canada et les États-Unis. Mais là, j'imagine qu'on peut jouer avec tout le monde. Oh, la niaiserie, bon. Le bazooka va revenir au centre. C'est des choses qui arrivent. C'est chiant, mais c'est des choses qui arrivent. Ça a peut-être donné un petit peu l'avantage à l'équipe adverse. Ma faute pour... T'es caché. Son nom. Mais pourquoi je n'arrive pas à les battre? Quand même, faudrait que je fasse plus de matchs pour les mettre pro dans les missions bazooka. Qu'est-ce que vous en dites que je fais plus de missions bazooka et expéditions risquées quand je vais tourner d'autres vidéos de Splatoon? C'est quand même, ça fait plusieurs fois que je perds. Je sais pas pourquoi je suis dans le rang A+. On a comme une minute pour aller l'emporter dans l'équipe adverse. C'est faisable parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent l'avoir en... Ouais, comme ça. Très vite. Et on arrive à avoir. Bon, on a éclaboussé un japonais pour la première fois. Le but, là, je vous donne un petit conseil de ma part. Bientôt, j'irai, comme c'est dans mon magicard, d'essayer de viser le mur de l'adversaire parce que ça va vous faire monter vraiment haut et vraiment loin. Je l'ai fait assez souvent. Je sais pas, je me rappelle plus s'il avait sur ce plateau, mais s'il avait, me semble, de l'avoir fait plusieurs fois. Sinon, c'était dans celui-là parce que je m'en rappelle plus. Et maintenant, c'est nous qui mène. Donc, il reste 5 secondes. C'est un petit truc que je vous donne au moins. Ça va beaucoup vous aider si des fois vous ne le savez pas. Et une chance sur deux que vous gagnez. Regarde, là, on a l'avantage d'un point. Juste à l'éclabousser. Juste à l'éclabousser. Regarde, on a gagné. Par chance. 53, une progression sur 54, progression 53. Bon, j'ai fait 3 games dans la match classique, c'est-à-dire que je vais en faire une dernière dans les matchs pro et après ma vidéo va être complétée pour aujourd'hui. Et après, mais je vais aller faire d'autres vidéos de Luigi Mansion. Fait que dommage que le Salmon Run n'est pas ouvert parce que j'aurais voulu voir à quoi ça aurait ressemblé. Après toutes les mises à jour, parce que ça fait depuis après le Splatfest, quand ils ont fini la mise à jour, je ne suis plus retourné dans le Salmon Run parce que j'ai comme plus vraiment l'envie. Mais sinon, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous voulez faire du Salmon Run avec moi, parce que pour vrai, je serais énormément content d'en faire avec vous d'autres. Content, ça serait terriblement fun aussi d'en faire avec d'autres personnes que des personnes qu'on ne connaît pas. Pour moi, en faire avec des abonnés. Ah, en plus, j'avais pogné. Ils ont
on va éclabousser direct la main. Bon. Ah non, l'éclaboussard de Nika, l'éclaboussard, juste l'éclaboussard, c'est l'arme que j'aime le moins. Aïe aïe aïe. Merci. Aïe. Mort. Capi, enfin notre Capi est revenu. J'ai déjà fait des vidéos de ma vie, mais j'ai effacé de ma chaîne parce que je trouvais que c'était pas un des meilleurs jeux que j'ai joué. J'ai beaucoup aimé Mario Odyssey, pas être contre ce jeu, mais Mario Galaxy était pour moi, j'ai essayé les Allons, le 2. Et pour en vrai, mais c'était le jeu exact que j'ai joué, sur la Wii. N'hésitez pas à essayer de revenir sur des jeux anciens aussi. Très intéressant aussi. On pense qu'ils sont moins le fun, mais c'est quand même... Des fois quand Nintendo font des jeux, ben c'est pas les meilleurs jeux qu'ils font. Et là, mais ils sont sortis, ils ont sorti la Nintendo Switch. Et ils font des jeux, mais sur d'autres consoles qui est donc... Là où... Là... Je vais juste apprendre de quoi après 2 ans de jeu. Mais non, les autres qui arrivent au moins, l'important dans chaque jeu, c'est d'essayer le coup de la vidéo dans la personne qui a essayé de quelque chose. C'est ça que j'ai déjà fait. En 2 ans, c'est sûr. Évidemment, avec tout le monde qui est joué, même avant les vidéos, j'ai joué parce que vous avez marqué plusieurs festivals comme Vampire, la petite garou. Je n'ai pas fait dans la vidéo parce que j'ai pas fait dans la vidéo. La game capture dans le temps. J'avais rien pour tourner les vidéos. J'avais un ordinateur dans le temps, mais. Juste que. Au début, ça ne tentait pas de faire des vidéos. Et maintenant, mais. Ça m'intéresse.
Bon, déjà 30 minutes de vidéo. Fait que pour vrai, c'était la dernière partie que je faisais. Et on va aller attaquer les vidéos de Luigi Mansion 3 qui va être peut-être sorti avant cette vidéo-là ou après. Sinon, j'espère que beaucoup vous avez, que vous aimez ça. Je suis quand même du Splatoon. Je suis quand même un jeu qui a parti ma chaîne et que je vais en faire encore et encore, même s'il n'y a plus de Splatfest, malheureusement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est samedi 13. En tout, on a fait une petite partie comme que tu peux remarquer parce que j'étais à 16 pouvoirs en haut à droite. À gauche, où le personnage qui est la fille Engine qui court sur le jeu pour voir qu'on peut augmenter notre vitesse, j'étais à 16. J'ai changé à 6. À 10. J'ai changé à 10, j'ai perdu 6 pouvoirs, j'ai fait 6 games. En tout, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, partager ma vidéo et surtout de vous abonner si c'est pas fait. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de Sam Pig. Allez, salut!